Jusqu'à présent, le système en place n'a prêté l'oreille à aucune des revendications du peuple, à travers les signatures, à travers le boycott des élections. Et c'est pour cela que la jeunesse a perdu patience et a été obligée de descendre dans la rue, et avec elle, une grande partie du peuple égyptien. C'est un droit légitime pour que nous prouvions que nous voulons le changement pour chaque Égyptien, que le peuple égyptien prouve qu'il a envie de changement. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que le peuple égyptien a brisé le mur de la peur, et le mur de la peur ne reviendra plus jamais. Et je souhaite donner un conseil au système en place, qu'il doit écouter le peuple, qu'il est temps qu'il écoute le peuple. Le changement doit être immédiat et doit être global. Et ils doivent s'abstenir de recourir à toute forme de violence, parce que le recours à la violence aura des répercussions négatives sur toute l'Égypte.